Salut tout le monde. Bon, je suis toujours en Bretagne. Vous avez vu derrière. Je suis désolé, hein, ça va vous faire bisquer un peu, mais bah, moi je profite un peu. C'est plutôt sympa. Donc, la dernière vidéo que je vous avais faite là où j'étais en train de marcher, petite randonnée, en fait j'étais sur Paimpol. Donc j'ai bougé. Je suis allé du côté de Saint-Brieuc. Bon, le spot était bien calme, un peu de randonnée, tout ça. Puis après j'ai bougé. J'ai bougé pour être là. Je vais rester quelques jours. Donc sur Saint-Brieuc, je suis resté 5-6 jours où j'étais vraiment calme. J'étais pas très loin de certaines habitations. Il y a une dame qui est venue me voir en me demandant si, limite agressive hein, quand même, mais très gentille après. Mais au départ, ça fait bizarre. En me demandant si je comptais rester là longtemps. Oh, j'ai été quand même surpris. Bon, ça faisait que 3 jours que j'étais là, donc le spot, moi j'y suis pour rien. Alors, contrairement à mes habitudes, c'est un spot que j'ai trouvé avec Park Fortnite. Je lui ai expliqué à la dame, donc qui voyait plus en plus de camping-cars. Elle se demandait un peu pourquoi, donc je lui ai expliqué qu'il y avait une application qui était connue mondialement, que tout le monde l'utilisait parce qu'on indiquait des endroits pour pouvoir se poser. Et moi, ça faisait 3 jours que j'étais là. Mais elle m'a demandé si je comptais rester là longtemps parce que, en fait, il y a 4 ans, sur ce même spot, ils ont eu quelques énergumènes qui n'étaient pas cool, qui ont fichu le bazar, qui étaient sales, ils avaient des chiens et ils sont restés un certain temps. En fait, ils ont eu du mal à les déloger. Donc cette dame, je pense qu'elle est un petit peu angoissée de nature. Donc je l'ai rassurée en lui disant que non, vous inquiétez pas. D'ici la fin de la semaine, je serai parti, juste en lui disant que, bah, que j'étais bien, que j'avais besoin de calme pour mener à bien certaines réflexions sur ma vie. Et puis après de pouvoir me balader parce que c'est un petit coin de nature sympathique. Donc voilà, donc ça s'est très bien passé. Je l'ai recroisé 2-3 fois et puis avec grand sourire, on a échangé quelques mots, quelques phrases et tout était bien dans le meilleur des cas. Donc voilà, donc du coup j'ai bougé, j'ai pas pu aller là où je voulais. Sinon, bah, j'ai trouvé, on va dire, ce spot-là encore une fois grâce à Park Fortnite. Donc, bah, je suis posé là pour quelques jours. Et puis, bah, écoutez, c'est plutôt sympa. J'ai commencé à faire un petit peu le tour. Le paysage est magnifique. Et ben voilà, j'ai une petite pensée pour vous. Profitez, je vous laisse quelques secondes sans ma tête sur les images, que vous puissiez profiter. Bon voilà, je vais pas laisser de trop hein, parce que après vous allez vous habituer puis prenez un peu sur vous. Moi je pense à vous, j'en profite. Non, je dis ça, c'est du second degré. Je vais encore me faire des copains moi, en racontant des conneries comme ça. Non, donc si vous avez besoin de repos, prenez du repos, venez en Bretagne, regardez, le paysage est magnifique. Aujourd'hui il fait super beau. D'ailleurs je vais remonter un coup au camion. Je vais aller mettre de l'eau à chauffer pour prendre une petite douche ce soir, une fois que je serai bien au calme et qu'il n'y aura plus personne sur le parking. Et puis voilà. Donc la vidéo n'est pas terminée.
Au détour d'un chemin. Petite. Merde, on voit plus ma trogne. Ah voilà, c'est mieux. Détour d'un chemin, caravane abandonnée au milieu de la pampa. Je pense que le gars, il avait dû poser ça là sur son petit bout de terrain. Bah, je pense qu'il devait plutôt être pas mal, mais là, elle est un peu en mode dépouillé, quoi, en mode cadavre. Bon, c'est pas grave. Mais voilà, c'est toujours agréable de découvrir ça. Et on s'imagine, on n'a pas d'histoire, il n'y a pas de manuscrit, il n'y a rien. Et c'est là où c'est intéressant parce que on fait travailler notre matière grise à défaut de la matière grasse. Et du coup, nos méninges s'agitent, s'excitent, et si on a un tant soit peu d'imagination, voilà, on imagine plein de choses. Moi, j'imagine qu'ici, il y a une personne qui vivait là, c'était son bout de terrain, peut-être qu'il avait son potager, il était déjà en mode minimalisme, survivalisme, il y a peut-être de ça 10 ans, 15 ans, 30 ans, et on n'en parlait pas de tout ça à l'époque. Donc, voilà, vous voyez où on peut aller avec ce genre de choses, et en laissant aller son esprit à vagabonder sur des histoires. Voilà. Bon, je pense que le son va être pourri, mais c'est pas grave, je referai une voix off. C'est juste pour vous montrer l'étroitesse du chemin. Et en fait, là, c'est un peu le vide. Là, c'est un peu le vide. Et attends, je m'avance un petit peu. Et là, c'est aussi, de l'autre côté, c'est un peu le vide. Donc j'essaye d'aller par là. Que je voudrais aller pêcher, donc je regarde en fait de comment par rapport à marée haute, si j'ai un accès, si je vais sur les rochers, je puisse revenir et pas être obligé de patienter la nuit sur le rocher, quoi. Ça serait un peu dommage. Bon, allez, je vous montre le chemin là. Aïe. Donc là, c'est quand même assez pentu, hein. Je me demande d'ailleurs si je vais pas bientôt me péter la gueule pour le coup. Parce que filmer, marcher. Ah, ça y est, ça va mieux. Bah, tant que j'ai de la caillasse là avec des appuis, ça me va. Je préfère ça que juste des bouts de. Comment ça s'appelle? Des bouts de parcelles en terre. Voilà. Vu de plus haut, je m'attendais à voir une petite plage. Rempli de petits galets, et en fait, je vais me mettre au soleil, je vais m'approcher, et en fait non, c'est que des coquillages, un truc de malade, il n'y a que ça, là, toute la partie là, tout ce que vous voyez là, sauf les cailloux, et voilà, tout ça, ce ne sont que des coquillages, impressionnant.
te l'ai fait courte, comme d'habitude. Je vous la souhaite bonne et à plus tard dans le camping-car.